Le prix de la Dami, c'est des choses inespérées pour nous. Ça nous permet de jouer dans 6 gros festivals du jazz. Donc ça veut dire de jouer dans un grand public, de donner à lui notre musique. Mon père, il est batteur. Et ma mère a été professeure du piano. Mon oncle, il est pianiste du jazz. Mais aussi, je crois que ça, cet héritage familial vient précédent avec ma grand-mère, qui joue un peu du piano aussi. Et il aime beaucoup la musique, toute la musique. Et mon grand-père aussi, qu'il partage avec elle cet amour pour la musique. J'ai terminé les études moyens à Cuba, de piano classique. Et après ça, je me dis, je vais faire un peu de musique, pas de jazz, un peu de musique populaire. Mm-hmm. Un peu de musique cubaine, je fais connaître, tu vois, de jouer bolero, salsa, après de jazz. Mon père, c'est batteur de jazz, mon oncle, c'est pianiste de jazz. Donc, j'écoute jazz de plus petit. Et dans le jazz, on a beaucoup de liberté hein, pour jouer. On part de un morceau et après on fait ça qu'on imagine. L'improvisation, c'est une part très importante dans ma musique, dans la musique du jazz, je crois. Et cette part, c'est la part que j'ai plus aimé, l'improviser, parce que c'est. On fait tous les jours différents, ça dépend de l'état d'année, ça dépend de l'endroit, ça dépend du piano, ça dépend de l'autre musicien, ça dépend un peu de tout. Ça, j'aime bien aussi. J'aime bien, oui. J'aime bien les gastar dinero en las tiendas. Hop. Oui, on vient pour session de photos. Troisième. OK, merci. Qu'en fait? Waouh! Hola, bonjour! Bonjour, merci! Voilà, old school!
Voilà, et donc après, moi je vais le mettre dans l'appareil photo, je vais retirer ça, je vais déclencher, je vais le remettre, wow. Et après tu pourras, ok wow. Voilà, je retire ça, ok. Ok, tu regardes, tu baisses un peu la tête, comme ça, ça c'est bien, bouge pas. Ok. Et après on va aller là-bas, on va attendre 25 secondes. Voilà, viens voir, t'es trop beau. On dit pas guapa pour un garçon, hein. C'est les filles qui sont guapa. Guapo. Ah oui, j'aime bien ça. Je fixe Harold. Voilà. Hop. J'ai l'inspiration de la musique classique, de la musique cubaine, de la musique populaire, du jazz. Et je crois que si j'ai dit un seul, peut-être j'ai dit Keith Jarrett, que pour moi c'est un dieu vivant qui jouait du piano vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi, non. C'est trop bien. C'est impossible de jouer comme il dit, je crois. Normalement, on joue en trio. Et ça veut dire avec mon petit frère à la batterie, qui s'appelle Rui, et que j'ai joué avec lui depuis enfant. Et Felipe Cabrera, la contrebasse, un des plus grands bassistes cubains. Il habite ici à Paris, je le connais depuis plus longtemps. Donc c'est ça, c'est mon frère et mon autre frère. J'ai deux frères. De jouer avec des musiciens si jeunes comme Harold et son frère, c'est un peu dur pour moi parce qu'il faut que me mette dans son esprit d'énergie. Sa formation classique, comme moi, on était d'accord. Le même goût, le même compositeur, le même goût pour les compositeurs, l'orchestration. Et ça déjà, c'est un avantage. Et sa virtuosité et aussi la façon d'interpréter les choses, c'est vraiment bien. À Cuba, tout le monde joue avec un percussionniste ou quintet. Et trio, ça n'existe pas beaucoup. Ça apporte de nouvelles idées. De nouvelles idées, il faut que ça reste cubain, que ça aille des côtés de jazz aussi contemporain, et que c'est fraîche, que c'était pas ennuyant. On ne peut pas jouer les mêmes quand on est seul, dans un studio, dans ma maison, non? Et que quand on est dans un public. Non? Parce que ça dépend de la réaction du public qu'on va jouer d'une différente manière. C'est un échange. On fait quelque chose pour lui et il nous donne à nous à notre chose. Non?
Je crois que le jazz est une passion pour toute la vie. Mais j'espère que je peux faire d'autres choses avec la musique, de faire la musique pour cinéma. Ça, c'est un rêve pour moi. De faire un peu de la musique classique aussi, parce que ça me plaît beaucoup de faire. Et maintenant, je n'ai pas le temps pour étudier, non? Et avancer dans la musique classique. Mais toujours le jazz, sûr. Ça, c'est sûr.